Chose promise, chose due. Chose annoncée, chose accomplie. Chers membres de la communauté AOC internationale, c'est donc sur ces mots que j'adresse mes sincères salutations à tous les membres toujours engagés AOC et à tous les membres de notre prestigieuse communauté AOC internationale selon votre position géographique. Ici, votre humble leader AR, membre de la communauté Alpha Omega Coin. On se retrouve aujourd'hui à travers ce tuto. Nous allons partager cette belle nouvelle qui est tombée aujourd'hui, cette belle annonce que nous avons tous entendue à travers les canaux d'information de AOC. Comme nous l'avons tous entendu ces dernières semaines, l'administrateur AOC a bel et bien réitéré que les plateformes sur lesquelles AOC sera listée vont commencer par annoncer sur leurs réseaux sociaux respectifs la cotation de AOC BEP 20. Aujourd'hui, 7 juillet 2023, nous l'avons tous constaté sur les réseaux sociaux de la plateforme P2B, une annonce qui affirme que la cotation de AOC BEP 20 aura bel et bien lieu à une valeur unitaire de 100 USDT BEP 20. Nous remercions tous les membres toujours engagés. Nous remercions tous les membres de notre prestigieuse communauté pour les prières, pour les intercessions et pour tous les efforts. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons voir rapidement comment créer alors notre compte de trading sur cette plateforme P2B. Rapidement, nous allons nous diriger vers le message que nous avons reçu sur la chaîne Telegram AOC. Alors, le message ici, vous voyez déjà que ce message donne plus de détails sur l'article qui a été publié par la plateforme P2B dans son groupe Telegram, que voici le lien. Ensuite, quand vous défilez, vous allez voir le lien qui va vous conduire sur le site d'inscription de la plateforme P2B. Alors, tous les sponsors sont appelés à cliquer sur ce lien pour s'inscrire. Et ensuite, lorsqu'ils auront validé leur KYC, vous allez prendre tout simplement votre lien de référencement pour envoyer à vos co-abondanciers et les inviter à s'inscrire et à faire de même. Alors, nous allons cliquer sur le lien http://p2b que voici et vous serez dirigé directement vers le site de P2B. Alors, une fois que vous êtes sur le site, vous notez déjà que la plateforme est purement dans la langue anglaise. Donc, c'est purement en anglais ici. Et ce qu'on va faire pour avancer, comme nous sommes avec la communauté francophone à travers ce tuto, nous avons utilisé, si la connexion nous permet bien sûr, la transaction de Google. Alors, je vais essayer de voir. Voilà. Pour nous faciliter la tâche. Alors, la traduction. Voilà. Alors, une fois que vous êtes sur le site, en attendant que ça se télécharge, voilà, c'est bien la traduction. Vous voyez. Ici, on demande votre adresse email. Vous mettez tout simplement votre adresse mail. Voilà, leader. Moi, je mets ici à titre d'exemple. Je mets ceci. Et vous cliquez sur s'inscrire. D'accord. Une fois que vous cliquez sur s'inscrire, vous allez tomber sur cette page. Et veillez à ce que votre localisation soit active parce que vous voyez ici. Vous voyez ce bouton. La localisation doit être active. Donc veillez à cela.
Alors, une fois que la location est activée, vous allez venir ici pour renseigner, d'accord, un mot de passe. Comme vous le savez tous, je vais renseigner un mot de passe à 8 caractères minimum, d'accord. À titre d'exemple, je vais mettre ceci rapidement. Alors, je mets, voilà, combinaison de chiffres et de lettres majuscules, minuscules. Et dès que c'est fait comme ceci, vous allez tout simplement venir en bas. Voilà, ici, ils ont dit salut, salut, besoin d'aide. On n'a pas besoin d'aide. On clique sur la croix ici pour avoir plus d'espace sur l'écran. Alors, une fois que vous faites cela, vous venez sur le petit carreau ici que vous voyez pour accepter les conditions d'utilisation, voilà, de la plateforme. Alors, ici, vous allez cliquer sur s'inscrire. Maintenant, vous aurez à faire la vérification. Là, vous glissez tout simplement et vous déposez dans le vide qui se trouve juste là. Alors, dès que vous faites ça, vous allez recevoir sûrement un mail. Voilà. Veuillez vérifier votre email. Nous avons envoyé un email de vérification à... Donc, nous irons rapidement voir dans la boîte Gmail ici. Et notez ici, généralement, le message, vous allez consulter, d'accord, votre spam pour voir le message de P2B. C'est très souvent envoyé là-bas. Donc, on va aller voir rapidement dans spam. Et voici le message. Donc, vous cliquez sur ça. Puis, vous allez activer votre compte. Si vous ne le faites pas, votre compte ne sera pas activé. Donc, vous confirmez. Email, vous confirmez l'email et directement votre compte sera activé. Et dès l'instant que vous, voilà, vous voyez, il y aura un compte, bon, ça va se traduire pour dire votre compte est activé. Dès l'instant que vous avez eu ce message, ça vous aura dit que tout simplement que vous avez la possibilité maintenant de vous connecter. Alors, c'est ainsi que vous venez de vous, hein, de vous enregistrer sur la plateforme et de créer votre compte de Trading P2B. Ça sera tout pour ce tuto. Merci de m'avoir suivi. La prochaine vidéo va porter sur comment se connecter, bien sûr, à ce compte, à son compte de trading. Si vous avez aimé cette vidéo, bien le contenu, n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager avec vos co-abonnanciers. Merci et à très bientôt.